Bon, tu me fiches, je te suis éprouvé à 200%. On est vraiment d'accord là-dessus et je suis totalement d'accord même. Le truc, c'est que si je commence à fuir Charles, et bah lui, il va partir super loin, tu vois. Sauf que bah, j'ai envie qu'il se passe quelque chose. Je sais pas comment expliquer. C'est un mec bien. Il est plus profond que les autres. Tu vois ce que je veux dire? Alex, ta grand-mère a bien les trucs chelous dans son salon. J'aime pas trop Romain. Ah, des ouf! Alex, envoie un message à ta grand-mère, demande-lui son numéro, comme ça on le casse avec Daphné. Ah ouais, t'es où? Ça va lui faire oublier Charles. Vous êtes sérieuse là? Elle nous cassera moins les couilles. Quoi? Mais arrête, il est chelou, puissance 10 000 le type là. Toi aussi, Daphné. Mais pourtant, je t'aime quand même. Le message il s'envoie pas, y a pas de réseau, j'en peux plus de ce réseau là. Oh, laisse tomber, je suis deg. En plus, Yann, il a un bête de concert, il devait m'appeler pendant la chanson qu'on aime trop. Ça passera jamais. Attends, je sais. Il a forcément quelqu'un. C'est obligatoire. En fait, les mecs, quand ils sont célibataires, ils peuvent pas dire non à une meuf, c'est biologique. Vous voyez ce que je veux dire? Ok, donc sérieusement, les filles, là, vous comptez passer tout votre temps à parler de mecs ou comment ça se passe? Il y a des sujets plus intéressants maintenant? Oui, Daphné, il y en a plein. Il y en a plein, je sais pas, on pourrait peut-être parler de féminisme? On peut pas parler du féminisme sans parler de la place des hommes. Et voilà. C'est incroyable. Pour une fois, on est d'accord, Iman, c'est fou. Et franchement, CQFD, ce qu'il fallait démontrer. On est obligé de parler d'eux. Je sais pas, on pourrait peut-être faire un jeu de société? Ouais, il y en a dans l'armoire. Yes. Bon, en parlant de féminisme, Iman, t'es obligée de porter ton voile? Comment ça? Je sais pas, là, on est qu'entre filles, tu vois ce que je veux dire? T'es pas obligée, si? Je suis jamais obligée de le porter, Daphné. Les filles? Oh! C'est un Ouija! C'est grave stylé, c'est pour poser des questions aux esprits. On l'avait fabriqué avec ma cousine quand on était petite. Mamie pue du bec. Toi, j'étais déjà drôle à l'ancienne. Je vais pouvoir poser plein de questions sur ça, ça va être trop bien! Bon, moi, je vais me coucher. Bonne nuit, fille. À toi, Iman. T'as peur? Moi? Je crois pas, non. Comment elle a trop peur? C'est parti? Oui.